Eh bien, salut les Android, c'est Zoas Controller pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à ajouter des couches de vidéos sur vos vidéos avec l'application KineMaster, ce qui n'est pas vraiment compliqué. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo et je vais ajouter une couche. Donc quand j'appuie sur couche, qu'est-ce que je vois? Je vois image, effet, couche, texte, écriture. Donc quand j'appuie là, je peux ajouter tout simplement une image, voilà, juste une image. Maintenant, moi, à la place de cette image là, je vais ajouter une vidéo. Voilà, attendez, je voilà un truc comme cela. Donc moi, je vais ajouter une vidéo à la place de cette belle image. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rends dans mes paramètres, voilà, donc je sors. D'abord, je supprime le dossier, voilà, comme cela les paramètres seront tranquilles. Donc je me rends dans mes paramètres, information de capacité, et là je vois que les capacités en fait de mon appareil ne sont pas suffisantes pour utiliser ce mode là, mais c'est tout le contraire en fait. Je peux utiliser ce mode, mais c'est parce que je suis en mode haute qualité, autrement dit mode de création avec une bonne qualité. C'est pour cela que je peux pas utiliser ce mode. En plus, la bonne qualité n'est pas vraiment une bonne vu que c'est 500p, 540p pour être plus précis. Voilà. Donc c'est cela en fait qui bloque tout. Maintenant moi je veux ajouter des couches de vidéo. Donc qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai fait l'analyse, on me dit non, ça ne supporte pas. Donc j'appuie sur les trois points à droite, j'appuie sur mode couche. Et là je vois de 540p, je descends à 360p. Autrement dit, la qualité d'image n'est pas vraiment cela, mais au moins je peux ajouter des couches de vidéo sur mes vidéos. Voilà, très simple. Donc je sors et je vais vous faire un petit test histoire de classer un peu tous les trucs, quoi. Vous voyez un peu quoi. Voilà, donc j'ajoute une vidéo. Voilà, donc d'abord je vais diminuer histoire de ne pas vous casser les oreilles. Voilà, comme ça. Ok, et donc je lance la vidéo tranquille. Voilà, c'est vraiment une vidéo, voilà, pour ceux qui doutent. Voilà, donc c'est une vidéo. Et donc, maintenant, lorsque j'appuie sur couche, qu'est-ce que je vois? Je vois média. Or, c'était image à la place de média. Ils avaient mis image et maintenant, c'est média qui est mis là. Donc, c'est devenu comme celui-là. Voilà, c'est devenu pareil. Donc, quand j'appuie là, j'appuie média. J'ajoute une vidéo spéciale au fond vert. Voilà. Et nous allons retirer le fond vert. Comme cela, ça sera un peu plus intéressant à regarder. Voilà, donc j'ai un fond vert. Abonnez-vous. Voilà. Un fond vert s'abonner. Voilà, un fond vert s'abonner normal. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le fond vert. Je descends sur la petite madame. J'active. Ok. Je vais agrandir un peu. Voilà. Là, il n'y a plus de fond vert. Voilà, donc bon, je crois que je suis allé un peu trop vite pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par cela. Et donc, lorsque j'ai activé la petite madame, comme la couleur clé est le vert, automatiquement ça supprimait le fond vert. Donc, si j'avais appuyé, si je n'avais pas le fond vert, je serais obligé d'appuyer sur couleur clé et choisir le fond qui se trouve derrière la vidéo. Voilà, ce qui n'est pas vraiment compliqué à piger. Voilà, donc là maintenant, lorsque je lance. Voilà, attendez. S'abonner, voilà. Et donc, les Andros, merci de m'avoir suivi. A plus pour une nouvelle vidéo. C'était Zoas Controller. Ciao.